Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette conférence de presse du groupe parlementaire de la France Insoumise Nouveau Front Populaire où nous allons présenter l'ordre du jour de notre niche parlementaire avec l'ordre des textes que nous allons présenter lors de la seule journée qui nous est réservée par la Constitution. Évidemment, notre niche parlementaire sera autre chose que le cirque que nous voyons actuellement dans l'Assemblée nationale avec la niche parlementaire du Rassemblement national, où l'extrême droite a fait croire à tout le monde que nous allions discuter de l'abrogation de la réforme de la retraite à 64 ans pour le retour de la retraite à 62 ans. Et finalement, nous avons devant nous un texte qui compte quelques rapports. La plupart sont rédigés par Madame Prisca Thévenot, c'est-à-dire ancienne ministre du gouvernement Macron, avec par exemple des débats sur la capitalisation, pardon, sur le cumul emploi-retraite. Donc finalement, on pensait que nous allions discuter du départ de nouveau à 62 ans des Français et des Françaises après 2 ans de vie volée par ce gouvernement et par Emmanuel Macron. Et on se retrouve avec des débats sur comment faire revenir au travail des gens qui sont d'ores et déjà en retraite. Je rappelle que le Rassemblement national est une immense arnaque sur cette question, qu'il portait en 2007 la retraite à 65 ans, puis en 2022 la retraite à 62 ans, puis en 2024 la retraite à 64 ans en s'alliant avec des gens qui sont pour la retraite à 66 ans, et qu'ils n'ont eu de cesse de changer de position, et que le premier vote sur l'abrogation de la réforme de la retraite a eu lieu en hémicycle hier dans le cadre du PLFSS, et que dans le cadre du budget de la Sécurité sociale, le Rassemblement national a voté contre notre amendement qui aurait permis l'abrogation de la réforme de la retraite. Donc vous voyez bien que ce n'est absolument pas sérieux et que lorsqu'ils essayent de faire croire qu'ils veulent abroger cette réforme de la retraite, eh bien leur vote montre exactement le contraire. D'autant que dans les rapports et dans ce qui reste actuellement à discuter du texte, il y a, et ça a été redit encore par l'orateur à la tribune, une question de nouveau sur la natalité comme solution au financement du système de retraite. Il se trouve que je reviens à l'instant d'Italie, où j'étais avec la présidente du planning familial pour faire des rencontres avec des parlementaires et des associations sur la question de l'avortement en Italie, et que, vous le savez, Jordan Bardella, en plus avec le Rassemblement national, d'avoir été extrêmement absent, non seulement des manifestations, mais aussi du combat que nous avons, nous, mené, le Nouveau Front Populaire, la NUPES à l'époque, dans l'hémicycle. Eh bien, prenez comme exemple Viktor Orban. Viktor Orban, qui, en Hongrie, oblige les femmes qui souhaitent avorter à écouter le cœur du fœtus avant de pouvoir avorter. Prennent, pour exemple, et ont comme allié, par exemple, la Pologne, où l'avortement a été quasi interdit avec 6 femmes qui sont mortes depuis l'interdiction la quasi-interdiction de l'avortement, et qu'ils ont comme allié Meloni en Italie, où par exemple en Italie vous avez des régions entières où il y a 80-90% des médecins et des soignants qui sont objecteurs de conscience et donc avec un accès à l'avortement qui n'existe pas, des femmes qui sont obligées de faire des centaines de kilomètres, de changer de région pour pouvoir avorter, voire d'aller à l'étranger, qu'en Italie il y a des cimetières de fœtus faits par des associations anti-droits sur lesquels ils notent le nom de la femme qui a avorté, avec les produits de l'avortement enterrés dans ces cimetières de fœtus, et que en Italie, vous avez des antidroits qui sont directement dans les centres de santé sexuelle et reproductive, avec donc des gens qui les informent directement. Voilà quel est le projet du Rassemblement national. Et évidemment, cette arnaque n'aura rien à voir avec la niche parlementaire que nous préparons, nous. Alors, quant à notre niche parlementaire, qui aura lieu donc le 28 novembre de cette année, d'abord, je vous annonce, suite à ce qui vous avait été dit mardi dernier, que nous avons décidé de garder la proposition de résolution sur la destitution dans les textes de notre niche. Rappelez-vous, la dernière fois, c'est le vote de Marine Le Pen à la conférence des présidents qui avait empêché d'inscrire ce texte au sein de notre hémicycle. Alors, il se trouve que notre droit constitutionnel permet à chaque groupe de choisir l'ordre du jour pendant un jour de notre niche parlementaire et que donc nous espérons bien, puisqu'il faut encore que le bureau se saisisse de cette question pour le déclarer recevable, que nous espérons bien que Yael Braun-Pivet réunira le bureau avant notre niche parlementaire et que, sous réserve de cette recevabilité qui sera votée en bureau, nous puissions enfin avoir une discussion dans l'hémicycle sur la destitution d'Emmanuel Macron. Je rappelle que si Marine Le Pen a fait ce vote-là, c'est parce qu'elle ne veut pas que se voit partout dans le pays que le Rassemblement national a voté contre la destitution d'Emmanuel Macron, comme le Rassemblement national a refusé de voter la censure de M. Barnier. Nous allons aussi annoncer, mais je laisserai Sarah Legras en parler,
nous allons rajouter un texte au vu de l'actualité récente, qui est une proposition de loi qui vise à intégrer la notion de consentement dans la définition pénale des infractions d'agression sexuelle et de viol, qui est donc un texte que nous allons rajouter à notre ordre du jour. Je vais venir sur l'ordre juste après. À chaque fois, comme nous le faisons chaque année, nous avons fait des sondages sur l'adhésion à nos propositions. Je vous annonce d'ores et déjà, même si nous publierons ces sondages mi-novembre, que toutes les propositions que nous allons faire dans cette niche parlementaire recueillent une large adhésion. Et pour que vous n'ayez pas trop à attendre, je vous donne sur celle que je viens de vous annoncer le résultat de la question qui avait été posée aux Français et aux Françaises dans le panel de ce sondage. Sur la question de la proposition de loi pour intégrer la notion de consentement dans la définition du viol, eh bien, nous arrivons à 81% des sondés qui sont favorables à cette proposition. Alors, l'ordre dans lequel nous allons discuter nos textes. Nous allons commencer par la résolution sur le Mercosur et le libre-échange. Vous avez vu les révélations de la Commission européenne qui montrent que si le Mercosur et l'Union européenne étaient un accord qui devenait signé, en plus d'être une aberration d'un autre siècle, eh bien, ce sont 99 000 tonnes de viande de bœuf en plus, traitées avec des hormones cancérigènes et interdites en Europe, qui pourraient arriver directement sur le continent européen. Donc, nous aurons d'abord cette résolution. Vous savez qu'une résolution dure environ 2 heures et que nous pouvons donc emporter une première victoire dans les 2 premières heures de notre niche. Nous aurons en deuxième position la proposition de loi visant à abroger la réforme des retraites. Ça sera donc la première fois que nous pouvons vraiment avoir un texte qui passera de l'Assemblée au Sénat le 23 janvier, puis pour revenir ensuite à l'Assemblée dans la niche des écologistes le 6 février. Donc une proposition de loi qui peut faire la navette parlementaire. Et je rappelle encore une fois à l'extrême droite que le plus court chemin pour approcher la réforme des retraites commence par le voter dans le PLF et dans le PLFSS lorsqu'il y a des amendements, mais surtout par censurer Barnier et destituer Macron. En troisième position, nous aurons donc la résolution sur la destitution du président de la République pour que chacun des parlementaires puisse se positionner face à la mise en responsabilité du président de la République. En quatrième position, et je laisserai Sarah Legrain en parler, la notion de consentement dans la définition pénale du viol. En cinquième position, la proposition de loi pour le blocage des prix de l'énergie dans l'Hexagone et dans les Outre-mer. En sixième position, la proposition de loi qui propose un moratoire sur les projets autoroutiers. En septième position, la proposition de loi pour régulariser les soignants diplômés extra-européens, les PADU. En huitième position, la proposition de loi pour reconnaître la pénibilité des métiers dits féminins. En neuvième, la proposition de loi sur l'écart maximum de salaire de 1 à 20. Et enfin, en dixième position, la proposition de loi sur le financement public de l'école privée. Je vais laisser Sarah Legrain présenter la proposition de loi que nous rajoutons. Je vous signale juste donc, que nous publierons mi-novembre les sondages que nous avons faits sur l'ensemble des 10 propositions qui se trouvent dans cette niche et qui, encore une fois, recueillent tous une grande adhésion populaire. Et que, je le rappelle là aussi, nous ferons une émission spéciale le 27 novembre à 19h sur les réseaux sociaux du groupe et de la France Insoumise, donc la veille de notre niche parlementaire, comme nous en avons l'habitude. Merci Mathilde. Donc comme Mathilde Panot vient de vous le dire, on a décidé de mettre dans notre niche parlementaire ma proposition de loi qui vise à inscrire la notion de consentement dans la définition pénale de l'agression sexuelle et du viol. C'est à cette heure le seul texte déposé à l'Assemblée nationale permettant de le faire et il avait été déposé en fait en février dernier. Je vous rappelle qu'à l'époque on avait Emmanuel Macron qui targuait de l'état actuel de la loi française pour bloquer au niveau européen une directive européenne sur le viol où figurait la notion de consentement et le faisait malgré la pression de nombreuses organisations féministes mais aussi de députés européens pris de son propre camp. Entre-temps, clairement, les lignes ont bougé puisque le président lui-même s'est dit favorable au débat, voire à l'inscription du consentement dans la loi, et qu'on a un garde des Sceaux qui, cette fois-ci, est favorable aussi, ce qui n'était pas le cas de son prédécesseur, et on entend des voix s'élever dans différents groupes de l'Assemblée nationale et des travaux se mener sur la question du consentement. Tous les jours, nous voyons les signes de l'ampleur de la culture du viol, nous voyons cette question traverser le débat public et s'imposer l'idée qu'il faudrait, qu'il y a urgence à passer d'une culture du viol à une culture du consentement. Alors, comme les violences sont systémiques, eh bien la lutte contre ces violences,
elle est un combat global, donc bien évidemment, ça passe par beaucoup de choses, notamment des questions de moyens et des questions budgétaires, et vous nous aurez trouvé au rendez-vous, vous nous trouverez au rendez-vous sur cette question-là, puisque nous déposons un certain nombre d'amendements pour obtenir les 2,6 milliards demandés par les associations pour la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Mais comme beaucoup d'organisations féministes, comme beaucoup d'avocats, d'avocates, de magistrats, de magistrates, je suis convaincue que ce combat passe aussi par l'évolution de la loi et de la définition pénale. Donc je le rappelle, à l'heure actuelle, contrairement à de nombreux pays, dont 18 au niveau européen, la loi française sur l'agression sexuelle et le viol ne mentionne pas explicitement le consentement. Elle fait résulter l'absence de consentement de la violence, contrainte, menace ou surprise, ce qui signifie que sans preuve de violence, contrainte, menace ou surprise, le consentement est en quelque sorte présumé. Cette définition actuelle me semble en décalage avec ce que nous savons des violences sexuelles, notamment que dans 90% des cas, le violeur n'est pas un inconnu armé dans un parking, mais bien une personne de l'entourage. Et souvent, il, sans exercer forcément de violence physique laissant des traces, il va pouvoir s'appuyer sur un état de sidération, de dissociation, d'emprise de la victime. Cette définition, elle est aussi en décalage, je pense, avec la prégnance dans le débat public de la notion de consentement que l'on retrouve dans toute la prévention en matière de violence sexiste et sexuelle. On nous apprend à toutes et tous qu'un acte sexuel sans consentement, non consenti, c'est un viol. Et on entend partout parler de consentement, y compris dans les tribunaux, vous aurez pu le voir, au moment des procès, sans que cette notion soit explicitée et définie dans la loi. Et donc il s'agit là, par ma proposition de loi, de ne surtout pas retirer les quatre critères existants, mais d'ajouter le consentement, d'ajouter une définition qui permet de le relier à la question de la volonté de la victime et à la question des circonstances, c'est-à-dire qu'on invite à considérer si les circonstances rendaient possible l'expression d'un consentement libre et éclairé, et on invite à ne pas déduire le consentement d'une absence de résistance. Je m'inspire pour cela de la Convention d'Istanbul, qui est quand même une convention dont la France est signataire, dont on peut considérer d'ailleurs qu'elle ne la respecte pas forcément, puisque sa loi ne s'est pas adaptée suite à la ratification de cette convention. Donc je suis convaincue que nous pourrions adopter cette loi, et qu'en le faisant, nous pourrions contribuer à diminuer le nombre de classements sans suite. Je rappelle que c'est 0,6% des faits déclarés qui donnent lieu à des condamnations aujourd'hui en France, donc lutter contre l'impunité en matière de violences sexistes et sexuelles, mais aussi, je crois, envoyer un message très fort contre la culture du viol à notre société, pour qu'il ne soit plus jamais possible de dire « je ne me suis pas posé la question du consentement, je ne lui ai pas posé la question de son consentement, mais je ne suis pas un violeur ». Je vous remercie. Vous savez, dans un hémicycle, vous avez des députés qui sont élus par des électrices et des électeurs. Et donc, vous avez aujourd'hui une représentation nationale qui est à l'image des votes qui ont été faits par les Français et les Françaises. Donc, je l'ai dit 1000 fois, je le redis encore une fois, je ne vais pas m'allonger sur les bancs de vote du Rassemblement national, mais je redis ce que je dis encore aujourd'hui. Le Rassemblement national est une arnaque sur la question des retraites. Ils avaient d'ailleurs annoncé pendant les législatives qu'ils renonçaient à l'abrogation de la réforme des retraites. Mais je vous le dis, il y aura une majorité dans cet hémicycle, y compris d'ailleurs avec les Liottes, y compris avec, à l'époque, des LR qui ne voulaient pas voter cette réforme de la retraite, et que donc nous arriverons à abroger cette réforme de la retraite avec les députés qui sont présents dans cet hémicycle. Oui. Eh bien, je crois que lorsque vous avez une proposition de loi, alors nous avons à la fois la gage tabac et une gage super profit, qui était y compris une taxe qui avait été acceptée largement par le MoDem, puisque nous voulons réussir l'abrogation de la réforme des retraites. Sur la question de la recevabilité des propositions de loi, vous le savez, ça passe au départ par les vice-présidents en charge de la recevabilité, et lorsqu'il y a des désaccords, ensuite, ça passe en dernier recours devant le bureau. Et devant le bureau a été jugé recevable, ce qui est en fait la tradition de ce qui est arrivé dans notre hémicycle depuis très très longtemps, avant que Mme Yaël Braun-Pivet ne fasse des changements de procédure qui nous ont empêchés jusqu'alors d'abroger la réforme de la retraite. Je rappelle que c'est ce qui s'était passé dans la niche Liotte au moment où on avait
essayer d'abroger cette réforme de la retraite juste après l'immense bataille qu'avait menée le peuple français, et que dans la tradition démocratique, il est assez normal que les députés, vous savez, dès que vous faites n'importe quelle proposition de loi, même changer un nom je ne sais où, ça entraîne des coups, et donc il est assez normal que les députés gardent eh bien, une capacité d'initiative. Et donc, ne vous inquiétez pas, notre réforme des retraites est financée. Nous savons comment nous souhaiterions la financer. Nous l'avons montré à de nombreuses reprises. Et vu le nombre d'argent que nous sommes en train de récupérer dans le PLFSS, puisque nous avons déjà récupéré 15 milliards, dont 10 milliards juste hier, par un amendement sur la question des dividendes, il y a un gros amendement qui est passé hier, eh bien, nous montrons que nous pouvons tout à fait financer cette abrogation de la retraite à 64 ans et même plus loin aller ce que nous défendons à la retraite à 60 ans. Oui. Oui. Je ne me serais pas permise de le dire sinon. Évidemment, j'ai un accord. 23 janvier, c'est le groupe communiste et ensuite 6 février, c'est le groupe écologiste qui devrait le reprendre dans sa niche. Mais 23 janvier, c'est une date dans laquelle le groupe communiste au Sénat a d'ores et déjà annoncé qui le mettrait dans leur niche, dans une navette. Oui. Non, vous avez tout à fait raison. Alors, le blocage des prix arrive en cinquième position Hexagone et Outre-mer, ce qui est un sujet qui nous tient très à cœur. Donc, il est toujours présent dans notre niche parlementaire. Après, oui, nous avons retiré des textes, puisque vous aurez remarqué que nous avons une présidente de l'Assemblée nationale qui se caractérise souvent par un autoritarisme assez marqué et que, depuis plusieurs années, se retrouve en question le fait de limiter, ce qui est un droit constitutionnel, encore une fois, des groupes, de limiter le nombre de textes que nous pourrions présenter dans notre niche et que nous n'avons pas envie de laisser la possibilité à Yael Braun-Pivet d'ensuite nous restreindre pour la suite. Donc sur la question à la fois de l'inscription obligatoire, sur la question des non et mal inscrits, qui est une grosse bataille que nous menons depuis longtemps sur les 10 millions de Français qui sont non et mal inscrits, nous avons considéré que ça serait un sujet que nous allons traiter fortement dans le cadre de notre droit de tirage sur la commission d'enquête. Et quant au référendum révocatoire que nous continuons de porter, il nous semblait que l'urgence, vu la situation et le déni démocratique dans lequel se trouve toujours notre pays, il était prioritaire de pouvoir présenter la proposition de résolution de destitution. Mais évidemment, nous continuerons à porter le référendum révocatoire fortement, ainsi que la 6e République et la Constituante. Énergie. On a déjà proposé, oui, c'était celle qui avait été refusée à 6 voix près, qu'avait présenté dans l'hémicycle Manuel Bompard, Aurélie Trouvé. Ah ben, vous savez, si vous voulez me donner plus qu'un jour, moi je suis preneuse. Hein. Lorsque on retrouvera un moment démocratique à peu près normal et que le nouveau Front populaire aura un gouvernement réellement, nous pourrons mettre en place l'ensemble de ces projets de loi cette fois-ci et pas proposition de loi. Mais vous le savez, c'est une niche parlementaire, c'est comme à minuit ça s'arrête. Donc on peut faire qu'avec le temps qu'on a, évidemment avec l'ensemble des commissions qui examineront les textes avant. Oui. On verra, chacun prendra ses responsabilités. D'autres questions ? Vous avez justement sur ce sujet-là, vous avez sollicité publiquement Yael Braun-Pivet. Est-ce que vous avez eu des retours de sa part sur le fait qu'elle... Alors, pour l'instant, non. Et j'ose espérer que c'est juste en termes de délai qu'il n'y a pas eu de réaction, mais que d'ici là, nous aurons une date de bureau, ce qui me paraît assez normal, et que sera inscrit à l'ordre du jour la question de la recevabilité. Et je crois que c'est important et encore une fois sain dans une démocratie que nous puissions avoir cette discussion directement dans l'hémicycle. Vous savez, au bout d'un moment, elle va être obligée de faire un bureau. Donc nous demandons un bureau le plus rapidement possible. Voilà ce que nous demandons. C'est bon pour vous ? Merci beaucoup. Une belle journée à vous. Et comme c'est Halloween, vous vous trouvez avec la niche RN.